Vous avez compris, nous sommes de retour au chapiteau où pratiquement Bala Samoura, devant un groupe d'agents, se dirige encore dans la salle où se trouvent les anciens ministres et les anciens présidents d'institutions. Mais puisqu'il faut noter que nous avons fait le tour de la ville de Conakry en parade avec ces hommes, ces désormais patrons de la Guinée, et nous sommes encore de retour. Pendant ce temps, ils sont toujours retenus. Je vais parler de ces anciens ministres. Ils sont encore pas retenus, en tout cas ils sont assis dans la salle du chapiteau puisqu'on leur a dit tout simplement d'attendre de nouvelles instructions. Vous pouvez bien voir, nous sommes au chapiteau du palais. Les médias fortement mobilisés. J'ose croire que c'est pour annoncer quelque chose à ces anciens ministres que Bala Samoura est sorti, en tout cas il s'est dirigé dans la même salle. Il faut noter qu'ils sont... qu'il est difficile de cadrer la foule qui, en dépit de tout, ces gens quand même sont parvenus à rentrer dans la foule. Voilà. Vous pouvez bien suivre. Vous voyez l'événement en direct sur Gangan TV. Colonel Tchegoro, qui est là. Colonel Moussa Tchegoro Camara, qui sort donc de la salle. Ils sont quand même très nombreux ici. Le matin dans la salle, on a aperçu Général Namori, Général Bafoué, Général Mathurin Bangoura, Général Toumani Sangaré. Voilà les anciens membres du gouvernement qui viennent. Les anciens membres des institutions républicaines aussi. Ils sortent finalement de la salle. On les dirige vers quelque part où on ne sait pas. Devant Boubacar Yassine Diallo, président de la HAC, en suivi de Boubacar Yassine Diallo, donc vous avez vu. Après lui, on a Philippe Bangoura, l'ancien médiateur Mohamed Tchokola, Mohamed Diané. Même vers la grande salle où le QG du colonel Mori Doumbouya, ici au palais du peuple. Mais la foule, vous avez vu que la zone est carrément quadrillée. Peut-être que les membres du gouvernement n'ont pas terminé de venir. Les présidents des institutions républicaines aussi. Voilà, bien escorté par l'armée, bien escorté.
Je ne pense pas qu'il y ait des absents. Il doit avoir des absents quand même. Mais vous vous souvenez qu'il a été dit que tout absent sera considéré comme rebelle. Alors que la foule demande à ce qu'on les amène à la sûreté. Vous suivez l'événement en direct, les hommes forts, la force spéciale, voilà, les hommes du colonel Mori, Mamadi, je voulais dire, colonel Mamadi. S'il semble avoir un peu de pagaille, mais ce n'est pas le cas, hein. Ils sont bien organisés parce qu'ils sont tout de même parvenus à faire rentrer les anciens membres du gouvernement dans la cour. Finalement, où se trouve le siège de la junte pour la circonstance. Vous suivez cet événement en direct sur la page de Gangan TV avec votre envoyé spécial, Sorikan Yabangura. C'est compliqué, hein. Je suis venu de ce côté-là, mais je comprends. J'ai vu mon compère, mes confrères sont là, regardez. Ils sont là, s'il vous plaît. Hein. Ils sont quand même très compréhensifs, il suffit juste de les expliquer. Ils obéissent. C'est la télévision Gangan, monsieur. Ok. Nous rejoignons, oui, je rejoins mes confrères. Les hommes en armes, ici à la porte, que je cherche à traverser. Tu es en direct? Oui. Oui, il est en direct. Ce que Jamal Pendessa, Sorikan Yabangura. Nous sommes sur la page de Gangan TV. Vous vivez l'événement en direct. Voilà. Ouais, Magalou, ça va. Nous sommes au quartier général. Hein. Mais ce qu'il faut noter, c'est que... Donc, vous pouvez bien voir, tout est en tout cas sous contrôle, à vue d'œil. La police, la gendarmerie, la douane, tous représentés parce que le général Toumani Sangaré est là. Bala Samoura qui est d'ailleurs dans les actions, il semble appartenir à la nouvelle équipe parce qu'il dirige ici, hein, il dirige les opérations. Vous avez vu déjà ces véhicules qui ont pris hier d'assaut la presqu'île de Kaloum pour capturer le désormais ancien président Alpha Condé, qui est en lieu sûr, selon le colonel Mamadi Doumbouya. Les photos, une complicité existerait. En tout cas, il y a une parfaite harmonie entre les hommes des forces spéciales. La foule quand même qui cherche à déborder, qui commence à déborder parce que si ceux-ci sont dans les grilles, derrière les grillages, ces autres personnes-là ne sont pas là. Ils sont quand même parvenus à rentrer dans la cour du palais du peuple pour saluer l'acte des forces spéciales ou de l'armée guinéenne, parce qu'il faut dire que colonel Mamadi Doumbouya dit poser cet acte au nom de toute l'armée guinéenne, des forces de défense et de sécurité, afin d'assainir le paysage politique et social de la Guinée. Donc nous sommes, vous vivez l'événement au cœur, vous êtes au cœur de l'événement, où que vous soyez, dans les 5 communes de la capitale Conakry, les villes environnantes, les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier, notamment à Lausanne, en Haute-Savoie,
là-bas en France, à Paris, New York. Vous nous écrivez, vous nous faites signe à Dubaï. Tout le monde, Gilbert Condé, que vous voyez de la grande radio Ganga, tout semble obéir à des normes ou à un programme, tout simplement. Donc, Aimé Césaire Ba aussi qui est en action. La crème de la jeunesse est présente. Oui. Nous voulons aujourd'hui sortir le soldat. C'est ça. Donc, vous pouvez bien constater la porte est maintenant bouclée. Et derrière cette porte se trouvent les anciens ministres. Madame. Nous allons donc couper pour un instant, histoire de vous permettre de bien visionner ces premières images où vous avez vu les ministres, les anciens ministres et les anciens présidents d'institutions entrer dans le QG des forces spéciales. Et on va voir, en tout cas au programme aussi, on annonce la prochaine libération des détenus politiques, parmi lesquels le célèbre Fonike Mangue. Gangan TV, sur le terrain, Sekou Jamal Pendessa, Chori Kandia Bangoura. La suite est la quintessence dans tous les détails. Ça serait à 21h à la télévision et à la radio. A tout de suite.